Bonjour à tous, bienvenue à cette présentation. Je vois qu'il y a du monde, ça fait toujours plaisir. Alors moi je vais vous parler aujourd'hui de un peu de Capital Train et de comment on travaille au quotidien pour faire évoluer le secteur avec certains objectifs assez ambitieux. Donc avant tout, je vais faire un petit sondage. Qui connaît Capital Train ? Ça va éviter certains slides, c'est cool. Donc je vais faire un truc que j'ai jamais fait avec cette présentation, parce que je l'ai fait en BBL et je l'ai déjà fait à plusieurs fois. C'est le support d'un objet que vous avez sans doute entendu parler. Et donc Claude fait une démo pour comment faire un jeu avec. À 7h30, allez-y. Donc le truc, c'est ça. C'est le côté Jedi. Il n'a pas ça dans tes présentations. Juste une petite introduction. Donc je vais juste me présenter. Je m'appelle Frédéric Monou, je suis développeur chez Capital Train depuis 2 ans. Donc Capital Train, c'est une agence de voyage qui vend des billets de train en ligne. Et mon job là-bas, c'est d'intégrer les web services des transporteurs. Actuellement, il y a la SNCF, et ça inclut ses filiales, et la Deutsche Bahn. Donc intégrer, c'est-à-dire suivre des web services un petit peu verbeux, un petit peu spécifiques, un petit peu dégueulasses, on va dire. C'est pas facile de faire un API, surtout avec un métier aussi compliqué. Donc moi, j'en charge ça avec des perspectives métiers assez précises. Je suis pas du tout front-end, je suis pas du tout comme ça. Donc je suis focalisé sur le métier. Ça, par contre, c'est ça cool. Je vais le débrancher. Après, pour ce qui est du logiciel, je m'occupe de qualité de code et d'intégration continue. Donc là, c'est, on va dire, mon métier de DevOps plus on va dire clean code, software quality, tout ça. Voilà. Donc voilà. Ça continue de marcher. Je suis sur Twitter et sur GitHub, mais en pratique, il n'y a rien sur GitHub d'intéressant. N'y allez pas. J'ai fait beaucoup de Java dans ma carrière avant d'arriver chez Capital Train et depuis 2 ans je fais du Ruby. On est quasiment exclusivement en Ruby, il y a un frontal Rails et puis après une partie métier en pure Ruby. Et puis évidemment vous avez après différents clients d'API qui sont l'API JavaScript en Ember.js, pas d'Angular ici, plus des API mobiles natives donc iOS et Android. Sinon, à mes heures perdues, je suis intéressé par ce qui est clean code, TDD, programmation concurrente, donc ça déteint un peu sur mes postes successifs, y compris chez Capital Train, et puis des fois j'évangélise un petit peu en essayant de rester raisonnable. Je suis office de référent Git en interne, et à ce titre, je fais des présentations dans le cadre des Brambell Lunch à Paris, donc des formations le midi entre midi 14h, moyennant un sandwich. Voilà. Donc je l'ai fait aussi en interne. Voilà. Donc, en parlant des VBL, justement, vous connaissez peut-être ou pas cette initiative américaine, je ne sais plus quand, importée en France par notre bon vieux David Gageot, qui aura tout inventé, et reprise il y a maintenant 1 an de façon plus générale, donc on a une centaine. Il y en a un peu partout, il y en a à Paris bien sûr, mais vous en avez à Rennes, évidemment, avec Nico et puis un peu partout en France. Donc, n'hésitez pas si vous êtes intéressé à acheter un mail et puis à postuler. C'est toujours un format qui est un peu plus sympa et moins formel qu'ici par exemple. J'ai beau avoir fait cette présentation plusieurs fois dans ce format là je suis pas, vous voyez, je tremblote un petit peu. Donc, c'est beau dire, c'est quand même plus sympa quand on est en petite compagnie à discuter autour d'un repas. N'hésitez pas si vous vous lancez sur des sujets que vous maîtrisez, vous voulez partager, faites ça comme ça. Voilà, donc à ce titre, j'en ai deux, j'ai celle-ci, plus une présentation qui est le deuxième bullet point, le troisième, je ne le fais pas en fait. Donc c'est comment utiliser Git de façon un peu plus poussée, plutôt de base, pour être un peu plus efficace. Donc, dans les deux cas, vous verrez, c'est très personnel. Il ne faut pas forcément prendre ça au pied de la lettre. Mais passons. Donc je vous parle de Capital Train, c'est plus intéressant, on va dire. Donc nous sommes une start-up, on va dire, c'est le terme officiel, après chacun a sa définition, mais... On reste un petit peu dans ce profil-là, et notre job, nous, c'est de vendre des billets de train, et juste ça. Donc l'énoncé est court, après,
les détails techniques sont assez, assez délicats. Bon, vous avez en tête sans doute notre concurrent français historique. Hein. Et leur plus gros problème, c'est d'arriver à plaire à tout leur public qui est vaste, qui a des besoins très précis. Chaque... Ok. Voilà. nous, notre but, c'est de faire un truc qui est ergonomiquement simple et clair pour n'importe qui et rapide aussi. Donc, on pollue pas avec de la pub, on fait pas 40 cases à cocher, 40 cases de saisie. Typiquement, on le demande souvent, mais c'est pouvoir préciser une correspondance, dire je vais de Paris à Toulouse en passant par Bordeaux plutôt que Montpellier, ce qui est possible. Et, ça, on ne fait pas parce que, bon, effectivement, il y a des gens qui sont intéressés, mais on préfère limiter et rendre le truc plus simple pour le grand public. Donc, après, bon, si vous connaissez, c'est pas mal de vendre en détail, vous connaissez les arguments. Mais en fait, ça, c'est clé parce que ça définit un petit peu le produit et du coup, ça a beaucoup de conséquences sur nous, l'équipe technique. Donc, il y a trois gros points. Il y a l'ergonomie, donc là c'est quelque chose qu'on peut assez facilement concevoir, qui est du design, qui est de tester des choses, vérifier que ça marche bien, auprès d'un public assez large, pas forcément technophile d'ailleurs. Notre plus gros point actuellement, c'est qu'on essaie de croître et donc de sortir d'un public technophile souvent vers un public plus général, donc avec une population qui n'est pas à l'aise avec l'informatique. Et ça, on a vu que ça a des impacts sur notre ergonomie, donc il fallait qu'on s'adapte pour rester dans cette logique-là. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? On a aussi comme point fort la relation client. On travaille beaucoup sur ça, donc ça passe par le support Twitter, le support par mail, un peu n'importe quand dans la semaine et en soirée. Et ça a des conséquences aussi sur l'application, c'est que les gens nous font confiance aussi. Et donc on ne peut pas se permettre de casser, même temporairement, parce qu'on a fait, des cow-boys, vous voyez. On est obligé, nous, derrière, de suivre, garder la qualité de service. Et donc ça, c'est le dernier point, c'est la qualité, c'est quelque chose de très important. Donc il y a différentes facettes de la qualité. Vous avez la qualité du code, vous avez forcément en tête, qui est assez basique pour un développeur, mais qui est source d'autres qualités par ailleurs. Puis après, vous avez la qualité de la plateforme, la qualité de la relation client. Donc pareil, il faut qu'on tienne à jour le support, qu'il soit encore au courant de ce qui se passe. Donc on a un besoin de communication en interne qui est très fort. Et même si on est sous pression, parce qu'on n'est pas non plus aussi performant qu'on le souhaiterait, on n'est pas développé à fond perdu, on n'a pas une base cliente forcément assez solide pour pouvoir se permettre de passer des semaines à développer, il faut quand même qu'on avance. Mais on avance en gardant quand même en tête le fait de ne pas faire pourrir la plateforme. Donc on va essayer de limiter des techniques pour rester efficace et continuer à déployer facilement des features. Donc ça, c'est un ensemble de compromis et de contraintes qu'on a. Donc la relation client, ça passe par évidemment les personnes qui font ça chez nous, mais aussi la plateforme. Il faut qu'elle soit stable, il faut qu'elle puisse quand même continuer à évoluer. Donc c'est de la stabilité, mais pas de l'inertie. Donc, il faut que le service reste d'équerre, il reste tel que les gens ont compris au début, tout en permettant nous développeurs de le faire évoluer, donc en rajoutant des features, des écrans, le moins possible, mais quand même. Et maintenir les applis mobiles, c'est un sujet à part entière. Et avec comme objectif qui est vraiment le point le plus ambitieux chez nous, c'est le zéro downtime, quelque chose d'assez difficile à mettre en œuvre, et sur lequel je passais pas mal de temps aujourd'hui. Donc là, comme ça, vu comme ça, ça paraît simple. Après, bon, je pense que certains d'entre vous ont en tête des problèmes qui se mettent en travers de votre chemin, c'est qu'on n'est pas juste des développeurs, on a une plateforme de prod à maintenir, donc il y a des événements extérieurs qui se produisent, ou même internes qui se produisent, qui vont nous perturber, qui vont nous empêcher d'avancer comme on le voudrait. Donc il y en a quelques-uns comme ça. Il y a les fils de sécurité que les différents librairies, frameworks, OS connaissent. Bon, au hasard, Rails, OpenSSL, vous voyez ce que je veux dire. Les impacts. Il y a évidemment ce qu'on fait nous. Hein. On a beau être intransigeant sur la qualité. On est quand même assez... des fois, on fait des boulettes, hein, donc il faut des fois fixer le code. Ou alors, en fait, on se rend compte qu'il y a un besoin précis d'un client qu'on n'a pas anticipé et qui pose problème. Donc, on a des cas où ça plante pour un besoin particulier. Donc là, on n'est pas... Le métier étant tellement complexe, on ne peut pas anticiper les problèmes. Donc, on est prêt à les résoudre aussi. Et puis après, la dernière catégorie, ce sont les évolutions et surtout les grosses évolutions. Comment on fait pour... garder cette contrainte de zéro downtime tout en étant capable de faire changer la plateforme de façon significative.
Je vais commencer par ce qui est vraiment la base et qui est vraiment ce que je vais vous répéter, c'est la notion de routine. Une chose très importante chez nous, c'est essayer d'être le plus bête possible pour garder notre capacité de concentration et d'effort intellectuel sur les choses qui en valent la peine. Donc, je vais vous expliquer ce que ça veut dire, mais la routine, c'est vous êtes en mode automatique sur les choses qui sont basiques et qui marchent et qui doivent marcher. Donc le cas le plus simple, c'est le cas où vous avez un seul composant à déployer. Donc, je vais définir ce que c'est qu'un composant, mais ce n'est pas très différent de ce que vous avez en tête. Donc un composant, c'est un projet qui va fournir un livrable. Voilà. Vous avez un projet, un livrable, un composant, qui fera l'objet d'une mise en prod atomique. Donc vous aurez une mise en prod pour un composant. Donc on va déployer le composant sur le parc de machines, sur le Play Store, sur l'iTunes, whatever. Donc le composant chez nous, ça va être le front-end JavaScript, ça va être le front-end d'API REST, ça va être l'applicatif métier, ça va être le moteur d'itinéraire, ça va être des choses comme ça. Et ça va être aussi la configuration qu'on attache à tous ces projets-là. Et ce qui est important par rapport à ça, c'est que le déploiement qui se fait d'un composant est standardisé, il est le même pour tous les composants. Donc ça, c'est très important, notamment pour les opérationnels. Et ça donne un langage commun à tout ça. Je sais qu'un déploiement, il se passe comme ça, il n'y a pas d'ambiguïté. Même si je ne suis pas expert sur le projet en question, je peux le déployer. Après, pour vous situer un peu, je vous parle de notre process de développement, donc il n'est pas original. Hein. Vous verrez, c'est très semblable à ce qu'on a dans le monde open source. Donc, on est sur Git avec GitLab, le clone open source de GitHub. Hein. On a longtemps fait avec GitHub, donc on est dans un schéma assez classique de deux branches d'intégration qui sont dev et master. Vous avez dev qui est la branche qui accepte les features et master qui est le light prod. Donc dev émerge dans master, master il va en prod. C'est basique. Donc les features sont élevées dans le cadre des pull requests via GitHub ou GitHub. On a l'intégration continue Jenkins, donc là pareil, très bateau, elle est en œuvre sur toutes les branches d'intégration, donc les deux que vous avez ici, les principales. Ça se traduit aussi par un déploiement sur un environnement d'intégration associé, et ce déploiement-là n'est pas différent fondamentalement de celui qui se fait en prod. La seule différence, c'est que celui-ci est automatique et il n'est pas en prod. On ne déploie pas automatiquement en prod pour des questions de release management, d'organisation au sens large, et de sécurité aussi. Voilà, donc ça nous donne un process de développement qui, pour la plupart des projets, est tout à fait banal. Les gens sont autonomes. Les développeurs sont autonomes en grande partie. Donc pour un développeur, comment il va faire évoluer la plateforme? Il va soumettre du code comme de pull request. Donc là, comme open source, ça n'a pas vraiment aucune différence avec une code review qui ponctue la pull request et qui se traduit par un merge dans dev. Vous avez sur un composant une feature qui est développée, ça peut prendre une heure, ça peut prendre deux semaines, ça peut prendre trois mois, c'est pareil, à la fin vous avez une pull request et la code review. Et en parallèle, on va assez fréquemment, plusieurs fois par semaine, release le projet, le composant, donc merger dev en master et prod. Voilà. Donc, autour de ça, il y a des impératifs de qualité de code. Il y a différents niveaux de qualité de code. Encore une fois, rien d'original, hein. C'est vraiment un truc classique. Couverture de test, même si chez nous, ce n'est pas un critère très important. On est plus sensible à la pertinence des tests. On vaut mieux avoir des tests, même s'ils ne sont pas sur tous les cas, parce qu'on sait qu'on ne les couvrira jamais tous. Des tests qui couvrent vraiment bien les cas principaux et qui résistent au temps, qui résistent à l'usure du temps, pour que dans 6 mois, 1 an, on continue à avoir confiance dans notre code. Très important ça. On insiste aussi beaucoup sur le respect du code style parce que c'est une façon de partager le code facilement. Si tout le monde écrit le code de la même façon, vous avez une communauté de code, c'est le langage de la communauté. C'est pareil que dans sociologie, pas grande différence. Vous avez un jargon, vous avez une communauté. Là, c'est pareil, un code style uniforme, donc ça a deux mérites, ça a cette cohérence de l'équipe et ça permet aussi de dépersonnaliser le code. Vous avez moins ce phénomène de on sent quand on ouvre une classe que tel bout de code appartient à un tel ou un tel. Et donc ça donne plutôt tendance aux gens à participer, à ne pas hésiter à aller intervenir dans des bouts de code qu'ils ne connaissent pas a priori. Et on est sensible à la lisibilité du code, donc là c'est un critère qui est, ma foi, assez subjectif, mais qui fait avec le temps l'objet de certains consensus. Donc souvent les projets, c'est pas le même critère.
Encore une fois, c'est pareil, c'est, l'important c'est que tout le monde parle la même langue pour se comprendre, donc qu'il n'y ait pas d'ambiguïté sur ce que fait un bout de code. C'est très important. Encore une fois, dans une perspective de limiter le temps perdu à réfléchir sur des sujets qui n'en valent pas la peine. On ne peut pas réfléchir à un fond perdu sur un truc qui est évident. La revue de code, donc nous on a fait le choix de limiter à un pair sur chaque pull request. L'auteur de la pull request va demander à quelqu'un dont il sait qu'il sera pertinent, il faut connaître ses collègues hein, minimum, d'intervenir et de faire la review. Et sauf exception, ça sera une paire de programmeurs qui va intervenir. Voilà, ça sera. Il n'y a pas forcément besoin de faire intervenir toute l'équipe, ça c'est pas une bonne idée, ça fait beaucoup de bruit, ça fait beaucoup de conflits, on en sort plat et après vous avez des pull requests qui traînent pendant des semaines et ça faut pas faire. Et là, ça sera l'occasion de voir des choses que le développeur n'aurait pas forcément vues tout seul, on va dire. Donc la pull request chez nous, la code review, elle porte pas trop sur le fait que la feature a été bien implémentée. Vous voyez, c'est pas ça, c'est pas remettre en cause des specs, remettre en cause un plan, c'est pas se demander si le gars a bien testé, c'est pas ça. Ça, on fait confiance au développeur pour ça, c'est son objectif de base, hein, l'objectif primordial, si ça marche tel que ça a été prévu. Donc là-dessus, on lui fait confiance, c'est pas maintenant que ça va être mis en cause. Par contre, on va aller porter un regard extérieur, donc, notamment sur le code style, s'assurer que il a bien compris les règles et qu'il s'est bien intégré à l'équipe. Et après, peut-être voir des choses qu'il n'a pas en tête. Donc, par exemple, s'il y a des problématiques d'infrastructure, de paramétrage de l'applicatif derrière, si vous commencez à changer l'infra du code comme ça, il faut avoir en tête ce que ça veut dire dans la prod. Donc, est-ce qu'il faut changer la config? Est-ce que la config a été prévue pour ça? Est-ce que tu as contacté un sysadmin pour ça? Voilà, une contre-visite plus que... pas vraiment contre-visite, mais donc reposer des questions auxquelles le gars n'aurait pas pensé. On verra aussi plus tard qu'il y a un problème très difficile à régler quand on fait du zero downtime, c'est comment on fait évoluer son modèle SQL en zero downtime. Et la code review elle permet de peut-être vérifier ça aussi. Parce que le gars, quand il développe, il n'est pas dans cette perspective-là. Lui, il est en train de faire un effort de développement, il fait marcher, il arrive à un point où ça marche. Et pour arriver au fait que ça marche, il n'est pas dans le même chemin que quand vous mettez en production. Ce sont deux chemins différents qui mènent au même résultat et qui sont deux parcours différents. Donc, quand vous faites un développement, vous n'avez pas en tête forcément comment ça va se faire en production. Et c'est normal. Donc c'est cette occasion-là aussi. Chez nous, il y a un grand principe. Qui est une, on va dire, là depuis le début, qui est lié à l'historique de l'équipe, hein, qui est lié au fait que les trois cofondateurs sont des développeurs essentiellement à la base, et qu'au début, il n'y a pas de fonction annexe en dehors du développeur. Vous avez une équipe de développeurs. Donc, l'équipe de développeurs, il faut qu'elle soit maître du produit et qu'elle soit motrice. Il n'y a pas de fonction qui va vous mettre un coup de bâton pour que ça avance. Ce qui est important chez nous, et ça resterait maintenant, même si l'équipe a changé, c'est la responsabilisation des développeurs et ses principes. C'est-à-dire, le développeur, il a une feature, il a une mission à accomplir. Il faut que tu mettes cette case cochée. Je veux que tu mettes cette case cochée. Donc lui, le gars, son job, c'est, il a besoin d'implanter une feature, il va l'amener en production. Donc il faut qu'il fasse tout ce qu'il a à faire, du début à la fin. Le début, c'est l'analyse, et la fin, c'est en production et ça marche. Et lui, il sera le moteur de tout ça, du début à la fin. Donc il sera là pour pousser à chacune des étapes, même si ça bloque. Après si ça bloque, il va demander de l'aide, hein, mais c'est lui qui va être l'initiative et qui va faire avancer les choses. Donc ce sera notamment lui qui va demander à faire une mise en production, qui va préparer la release et demander à mettre en production. Vous aurez de la validation des personnes responsables de ça, évidemment, mais il y a quand même l'initiative, c'est lui qui va dire « je suis prêt, on y va, on avance ». Est-ce que la com vous êtes prête? Est-ce que le marketing vous êtes ok avec ce qu'on a fait? Est-ce qu'il y a besoin de revoir des choses? Est-ce que le système il est prêt? Est-ce que l'infra est prête? Est-ce que le tiers dont on a besoin, un web service, peu importe qui, hein, est-ce qu'il est prêt aussi? Voilà. Il n'y a pas de release manager parce que chacun fait son propre release management. Alors je vous rassure, hein, c'est pas non plus la jungle, hein, c'est pas l'anarchie, il y a un gros plan général. On sait où on va, on sait quelles sont les features qu'on va développer, à quel rythme. Mais ça reste quand même sur une site des développeurs. Voilà, donc ça c'est vraiment important, c'est ce qui fait avancer la boîte. Et c'est vrai qu'on a des périodes comme ça où
ben on sent qu'on est un peu tous un peu moins motivés à le faire et quand ça se produit de façon générale comme ça, on sent bien qu'on ne réalise plus rien, ça avance plus, il n'y a plus aucune nouvelle étoile parce qu'on n'a plus rien livré, il n'y a plus de blog post qui sort, parce que la feature ne sort plus et ça, ça se sent. Quoi. Ça nous est arrivé de faire ça, donc on a eu quelques petits coups de mou comme ça. Généralement, on part en vacances, ça a lieu. Bah, on fait pas de code retrisse, mais on pourrait, tu vois. Ce serait cool. Donc, pour en fait, pour quelques points cruciaux sur comment on développe, bon, ça c'est des trucs, encore une fois, très classique, hein, c'est que le build doit être rapide. Quand je dis rapide, le truc le plus lent chez nous, il prend un quart d'heure. On trouve que c'est lent. C'est relativement rapide. C'est indispensable si vous voulez prodé plusieurs fois par semaine, parce que si vous faut une demi-journée pour déployer quelque chose, vous n'avez pas livré deux fois par semaine. Parce que ça ne vaut pas la peine. Le coût est trop grand pour que vous passiez votre temps à attendre le build. Pour que, même si vous faites autre chose en même temps, bah, vous êtes quelque part un peu bloqué. Donc, c'est important que le build soit rapide pour que vous ayez du feedback rapidement et que vous sachiez si on peut avancer ou pas. Et c'est rapide aussi dans la perspective de faire des petits pas à chaque fois, de faire des petites mises en point, ce qui est indispensable. Autre point crucial, c'est que notre plateforme d'intégration elle soit light prod autant que possible. Donc pas forcément du point de vue des données, mais autant que possible sur la façon de faire, donc les process de déploiement, comment on configure une plateforme. Et j'ai envie de dire, même les machines des développeurs doivent être comme ça. Donc, si vous voulez que vos développeurs ils fournissent quelque chose qui va marcher en prod, il vaut mieux que ça soit semblable à ce qu'ils ont chez eux. C'est quelque part ça. Quoi. C'est pas tant aux développeurs de penser à la prod, mais faire en sorte que lui, il y pense plus et qu'il soit confiant en fait que ce qui marche en prod, ça marche parce que ça marche chez lui. En fait. Alors, c'est pas facile. Hein. Les laptops Mac ne sont pas représentatifs de la prod, c'est normal. Par contre, la façon de configurer et de déployer le code en local n'est pas très différente de la prod. Donc on n'a pas d'embrouille spécifique à la développement local, on fait de la même façon qu'on fait pour la prod, avec des valeurs différentes évidemment, mais le principe est le même, et donc les développeurs ont conscience de comment on fait pour faire évoluer la conf. Et ça, ils le savent très bien. Les migrations SQL, c'est les mêmes, c'est le même principe, au même rythme, ça marche pareil. Et puis dernier point, même si c'est un peu moins important, mais c'est quand même que les gens aient en tête à qui ils ont affaire à chaque étape, qu'ils sachent... N'hésite pas à aller poser des questions aussi saines. Il est barbu, mais c'est pas grave, allez le voir. Il va pas vous manger. En tout cas, je suis présent. Le marketing, la com, c'est pareil. Il ne faut pas hésiter à aller le voir. Il ne faut pas hésiter à poser des questions pour s'assurer que ça marche bien. Et donc, pour le faire, il faut savoir à qui on a affaire. Donc, le live prod everywhere, c'est ce que je commençais à parler. Donc, c'est. Bah déjà, ce n'est pas de spécificité vis-à-vis des plateformes, autant que possible, même si c'est des fois difficile, mais au niveau software, ça se fait quand même, hein. c'est pas quelque chose d'inaccessible. Donc c'est faire du packaging indépendant, donc concrètement des tarjets Z. On ne va pas faire un effort de packager Debian ou autre, par exemple, on n'est pas assez, voilà, mais on fait un tarjets Z dont la construction était la même, quelle que soit la plateforme. Beaucoup de rigueur sur la config. Gérer ses configs, c'est important, c'est pas facile, on a tendance un petit peu à négliger ça. Et comme c'est quelque part l'interface entre les opérationnels et les développeurs, bah, autant que ça soit fait, tout le monde se comprenne. Et donc, comme je vous le disais, bah, ça reste ce qui est vrai en intégration, reste vrai pour les postes de développeurs. Alors, quelques petites choses concrètes quand même que vous ne soyez pas trop frustrés, parce que c'est pas un live coding, hein, évidemment. On sait comment on fait, c'est pas intéressant, mais peut-être que vous y avez des images de comment ça se passe. Donc quand on est quand on a développé, qu'on a passé la review, qu'on a été notre pull request a été validé, notre code arrive dans la branche de développement. Donc, il a été déployé sur un serveur d'intégration associé, on a fait des tests, on a éventuellement demandé à un tiers de peut-être donner son avis, voir si ça convient à ce qu'il veut. Si on a ce qu'il voulait, est-ce qu'il est d'accord avec le comportement, avec les traductions, avec la mise en page. Et donc, tout ça, une fois que c'est bon, là, on va prendre l'initiative de préparer une release. Donc, préparer une release, c'est, je vous rappelle, merger dev dans master, c'est à peu près tout. Hein. Après, bon, il y a eu un peu d'historique par rapport à ça, et puis aussi des demandes de feedback de la part des équipes non techniques. Parce que certes,
pouvez toujours aller regarder l'historique Git, mais pour quelqu'un du marketing, de la com ou quelqu'un du support, c'est pas sa préoccupation, il n'a pas les outils, il n'a pas le temps, c'est pas son problème, c'est normal. Donc, ce qu'on a fait, c'est juste qu'on a enrichi ça pour le publier en interne. Donc, le fait de préparer une release, c'est toujours à faire un merge, pousser la branche master sur le repo officiel et formater et copier-coller le git log à destination du chat interne afin de publication interne. C'est nous release notes en fait, hein, c'est pas plus. Hein. C'est nos release notes, elles ressemblent à ça, elles sont pas très jolies, mais ça suffit à peu près du temps. Avec quelques petites astuces, on peut faire un lien entre les commits et le GitLab, donc si quelqu'un est intéressé, il va aller vers des clubs. Et c'est vrai que c'est plus informatif qu'autre chose, hein. il n'y a pas grand chose à en dire. Donc pour ce faire, on va le faire dans un projet, et mettons que le projet s'appelle Koala, on va faire accepter release, ça va release le projet Koala. Ça fait quelques petits contrôles qu'on s'en pose la question par acquis de conscience, mais c'est vrai que c'est toujours bien de se demander est-ce qu'on a vraiment besoin de faire ça tout de suite, est-ce qu'on est prêt. Il suffit de mettre Y entrée, hein, c'est pas dur, mais c'est juste comme ça, une dernière étape de validation. Est-ce qu'on m'en aime mes consciences, je suis prêt à réaliser. Encore une fois, il n'y a rien de définitif, hein, c'est juste merger dans master, mais pas trop grave. Et puis après, quand on est bien sûr de soi, là, qu'on est prêt, qu'on a le go de toutes les personnes concernées, ben là on va déployer. Donc le déploiement, ce ne sont pas les développeurs qui le font, parce que j'ai un rappel, hein, les trucs, il ne faut pas qu'ils fassent. Hein. Non pas qu'ils soient pas de bonne foi, mais c'est des fois ils ont pas tout en tête, c'est normal. Ça reste la responsabilité de quelques personnes. Et c'est pas plus mal dans la mesure où ça permet de se poser une dernière fois la question de est-ce qu'on est vraiment prêt. Donc le développeur, quand il est prêt, je rappelle que c'est le moteur de la commande, okay. Il va demander aux personnes concernées est-ce que tu peux s'il te plaît déployer le projet en problème. Donc le gars, même s'il connaît pas le projet Koala, il va faire c'était deploy Koala, ça va deploy Koala. Il va quand même répondre oui ou non. Et ça va faire quelques petits contrôles du genre est-ce que ce qui est buildé sur Jenkins c'est OK, est-ce que c'est la dernier commit, est-ce que c'est ce qui a été buildé, est-ce que c'est bien ce que tu veux faire. Donc ça permet de s'assurer que, est-ce que le mec, ça marche quoi, qu'il est prêt. Quoi. Et vous seriez surpris le nombre de fois où le simple fait de demander au gars est-ce que tu veux bien s'il te plaît taper Y entrée à ma place, il va se dire attends, ouais, j'ai peut-être oublié un truc là. Et effectivement il a oublié de jouer sa tête, est-ce que... Donc c'est toujours cette dernière étape de validation où le gars va se poser la question vraiment est-ce que je suis prêt. Et il est dans la situation où il doit prendre la responsabilité de la chose. Et il va revoir sa vie passer devant ses yeux et se poser des vraies questions en fait. C'est un peu ça. Alors pareil, même combat, ça va faire une s'ensuit des notifs en interne sur le fait que ça déploie, donc ça, tout le monde voit que les mises en prod se passent, ça donne du feedback, c'est cool. Ça rassure les pseudo-managers qu'on a en interne, et bien sûr, pas vraiment. Et là, c'est le style le plus technique de la présentation, hein, ça vous pas remarqué. Là, on a une commande fabrique, donc fabrique, c'est un outil qui sert à toucher des packages et à faire des commandes. Hein. Bon, nous, on s'en sert pour ça, on ne fait pas plus. Hein. On n'a pas vraiment utilisé l'outil comme il faudrait peut-être, mais ça nous permet de, en rolling, déployer une archive sur un parc de machines et pour chaque machine en rolling, encore une fois, de faire le déploiement. Donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on déploie le projet Koala à partir de cette archive-là. Voilà. Sur un ensemble de machines, c'est ce que c'est défini là. Donc là, l'intérêt de ça, c'est que l'opérationnel qui ne connaît pas le projet Koala va faire les choses correctement. Sans avoir à savoir ce qu'il faut faire. Il est autonome, il peut intervenir sans avoir de connaissance du projet. Donc là, on retrouve la routine, parce que quelque part, ce qui se passe là, c'est toujours pareil. Hein. Toujours pareil. Sauf quand ça se passe toujours pareil. Et puis en bonus, on peut pouvoir faire des rollbacks en disant bah, tiens, rollback au commit machin. Vous passez le chawet, c'est un rollback au commit machin. Ce qui peut servir. Donc quelques petites règles de survie. Voilà. J'aime beaucoup le point 3, parce que le point 3, c'est on ne prod pas le vendredi, en fait. Et non pas après 18h, en fait. Mais on ne prod pas quand même pas le vendredi. On n'hésite pas à proder plein de petits morceaux, sauf le vendredi. Et voilà, donc là, les plein de petits bouts, c'est juste dans la perspective de se dire, en fait, quand on fait des petites choses, on a en tête ce que ça représente. Et si on doit corriger, ben on corrige la petite étape.
corrige le fait de passer un petit, de déployer une petite feature. Ça gêne pas les collègues qui ont bossé comme des chiens pendant deux semaines pour faire une release importante. Eux, ils ont livré, ça a marché. Après, on livre votre petit bug fix anodin, là, qui consistait, mais non, t'inquiète, c'est facile de changer une constante, et puis en fait, ça marchait pas. Donc le gros truc des personnes qui ont bien bossé, c'est bien passé, bah, eux, ils ont froid, ça marche. Par contre, le gars qui a fait sa petite boulette, elle est rebackée, et elle gêne pas le travail des autres. Donc ça, c'est aussi une façon de éviter les frictions en interne, et puis de pas perdre du temps, bêtement. Et comme notre process est standard et assez rapide, bah ça on peut le faire, on peut se le permettre. On va passer après à des choses un peu plus techniques, comme gérer l'urgence. Donc l'urgence en question, bah, ce sont on va dire, les fiches de sécurité externes, donc les libSSL et autres. Les bugs critiques, les trucs où là vraiment là il faut agir tout de suite. On n'a pas beaucoup de points où on considère que c'est critique, mais par exemple le paiement si ça marche pas, bon là nous sommes une agence de voyage, mais on est un site de e-commerce. Donc, si on ne peut pas payer, c'est un peu gênant. C'est un des rares cas où c'est considéré comme critique. Là, il faut intervenir tout de suite. Donc, il faut pouvoir le faire. Et on va essayer de le faire de la façon standard, autant que possible. Et puis après, vous avez les rollbacks, comme je vous ai montré. Ça, ce slide date un peu. Entre temps, on a un petit peu simplifié le rollback, donc c'est un peu moins le cas maintenant. Donc, c'est vrai que rollbacker maintenant, c'est facile. Donc là, il y a deux cas de figure. Il y a le cas facile. C'est le cas où on peut faire comme d'habitude, en fait. On va faire une pull request, on va merger en dev, on va merger en master, et comme tout se passe vite, même les cas fixes, les hotfix et les trucs de sécurité, on pourrait le faire comme ça. Après, il y a des cas où c'est pas possible. Parce que je vous rappelle, le principe c'est de livrer les choses les plus précises possibles. Donc, si on a déjà mergé tout dans dev ou dans master, ben là on est coincé, on peut pas faire ça. J'ai contourné, j'ai passé par des chemins plus ou moins direct. Donc il y a plusieurs options. Il y a l'option de les commiter directement sur master et puis de ne pas oublier de backporter tout dans dev. Ou alors d'aller patcher les fichiers Ruby en prod. J'ai eu que c'est. Je vous déconseille. Pour l'instant, on a, on va dire, moins de 5 machines, c'est facile, mais bon. Ne faites pas ça chez vous. Et en fait, bon, il y a quelques petites règles comme ça qu'on a fini par se mettre nous-mêmes, c'est que en fait, master ne doit pas être mergé si on n'est pas prêt à prodé dans la foulée. En fait. Donc ne préparez pas une release si vous savez que vous pouvez pas, si vous n'êtes pas sûr de la faire dans la demi-heure, par exemple. Donc ne mergez pas dev dans master le vendredi. Parce que je vous rappelle. même topo, ne mergez pas dev dans master à 17h30, parce que 18h après, on ne merge plus. Quoi. Donc voilà. Donc tout ça, c'est bon. On a fini par prendre l'habitude, et puis les règles ça supplisse aussi, si on se rend compte qu'en fait c'est pas trop grave. Tant en temps on revient aux règles un petit peu loi martiale, mais bon, on ajuste. Et puis dernier point, mais ça c'est vrai que c'est historique chez nous. C'est en fait, je marque, ne faites pas confiance à Git. La part d'un mec qui fait des présentations de Git, ça peut paraître bizarre, mais en fait quand on fait des fixes directement sur master, qu'on les backport, ça nous est arrivé de, suite à un autre merge dev en master, rollbacker le fixe. Donc on a fait un hotfix, après on a repris notre quotidien, on a livré notre fameux checkbox dans la nuit, et puis on a rollbacker le fixe. Et on ne s'est pas rendu compte de ça. C'est un peu gênant, mais ça c'est à voir. Alors après je vous rassure, hein, c'est pas non plus notre quotidien, nous on a la chance d'avoir assez peu de cas comme ça. La plupart sont externes, donc là c'est souvent Rails, c'est Twitter, parce que les mecs se lèvent du US à ce moment-là. Ils vous préviennent que, ah au fait, il y a un fixe de sécurité. Je fais non, j'ai pas envie. Hein. On est peu capable de le faire même de chez soi. Quelques chiffres alors, qui sont vraiment grossiers, hein. C'est pas, prenez-les pas strictement, c'est pas des stats officiels, mais l'ordre de grandeur c'est ça. Hein. Moi je suis arrivé en 2012, donc je pourrais pas vous dire avant, mais je sais que c'était un peu la jungle avant. Et maintenant c'est quasiment anecdotique, hein. Enfin, c'est quasiment des causes externes, et puis voilà. On n'y pense pas vraiment. Et la bonne nouvelle c'est que même si ça arrive, on réagit vite, c'est pas grave. Après l'urgence, les choses un peu plus positives, notamment le fait qu'on est en croissance, en tout cas on espère continuer de l'être. Donc, ça induit des choses chez nous évidemment, parce qu'on ne peut pas augmenter notre parc d'utilisateurs comme ça sans changer la plateforme, sans changer notre façon de procéder, sans changer l'infra. Bon, ça a des conséquences.
Donc très concrètement, l'infra surtout elle va changer. Donc on va scaler en rajoutant des machines. Le résumé c'est ça, mais c'est quelque chose d'assez banal. On a eu aussi quelques petits impacts suite à la mise en place des êtres mobiles, essentiellement la plus envolée. Donc on l'a bien senti passer celle-là, on a bien spammé l'API. Non pas qu'Android se déboulait, mais c'est juste que vous avez la feature de synchro des comptes Android en arrière-plan. C'est un peu du système. Pour vous, c'est cool. Seulement, ça fait un appel toutes les heures. Un appel toutes les heures multiplié par le nombre de clients, c'est vachement plus que ce qu'il y avait avant. Donc, en fait, ça fait juste x3. Comme ça, une mise en prod x3. Alors qu'il n'y a pas plus de clients qu'avant. On n'a pas fait x3 en clients, on a fait x3 en appel d'API. Donc, on a été obligé de anticiper ça. Même si en pratique, ça n'a pas été dramatique, mais ça peut arriver. Et puis après, vous avez le fait que des fois on change de fournisseur de paiement, on change de web service pour couper les API de la SNCF, ça peut se produire. Il faut des fois revoir une copie, faire des choses différentes. Alors quelque chose qui est à la fois une cause et à la fois une conséquence, c'est le fait que finalement nos composants, on a fini par les spécialiser, ça c'est tout à fait classique. On est passé d'une infrastructure monolithique à quelque chose qui est. Un peu spécialisé, pas trop non plus, c'est pas du microservice, hein, c'est pas juste comme ça, c'est des choses qui sont assez banales. Hein. Si vous avez une partie métier, une partie paiement, une partie frontale API, voilà. Il n'y a pas beaucoup plus, mais on était obligé de faire ça. Et en même temps, ça change les choses, parce que ça change. Je vous rappelle qu'on ne déploie qu'un composant à la fois. Donc si on en met plus, il faut changer un peu la façon de faire. Quand vous avez à la fois la partie qui fait la persistance de la partie qui fait les appels au web service, quand vous prenez ce truc-là, vous prenez tout d'un coup. Vous pouvez vous permettre de changer les interfaces applicatives au milieu. Vous avez deux composants spécialisés que vous les prenez différemment, enfin, de façon séparée, vous êtes obligé de gérer une autre version. Donc ça, c'est des contraintes en plus. Donc il y a plusieurs problèmes qui se sont posés. Il y a qu'est-ce qui se passe quand on a déployé un composant sur deux machines. Ce qui est le cas depuis très longtemps, évidemment, pour des questions de redondance, mais comme on le fait en rolling, vous avez des montées de version en rolling, donc vous avez un besoin de gérer les montées de version. D'autres problèmes, c'est est-ce que votre DBA qui a depuis le début, mais en fait qui n'a jamais eu à le faire, est-ce qu'il est capable de faire une montée de version Postgres? Est-ce que ça se passe bien? La réponse est non. Est-ce que ça va se passer mieux? La réponse est peut-être, enfin, pour l'instant c'est pas le cas. On ne sait pas faire, donc on apprend, donc notre zero downtime pour l'instant il n'est pas nickel parce qu'on ne sait pas faire ça. Et le Postgres, c'est un single track of failure chez nous. Donc on est un peu emmerdé avec ça, on n'est pas capable de faire ce que je vais vous conseiller après. c'est pas encore parfait. On a eu des problèmes avec le fait de faire des montées de version des OS, évidemment, c'est vrai que c'est pas trivial. Et puis aussi, on est sensible aux pannes, les pannes du réseau, on va dire, de manière générale. Quoi. C'est ce qui se passe quand un shell tire à chaque fibre. Un opérateur de télécom. Plante sa pelleteuse dans votre fibre optique en pensant qu'elle n'était pas utilisée. Voilà, c'est un peu le chirurgien qui opère le genou droit après faire le gauche, c'est pareil, quoi. Lui pensait que c'était bon, mais en fait non. Et donc là quand ça se passe comme ça, ça a des impacts chez nous évidemment, hein, vous en doutez, donc ça casse des trucs. Donc là par exemple, là pour l'instant on n'est pas encore très résistant, il faut s'améliorer. Et une façon en fait de s'y préparer, c'est. Donc, dans la perspective de répondre à la première question qui est ici, à savoir qu'est-ce qui se passe quand on déploie un composant sur plusieurs machines, et donc vous avez des versions différentes à chaque fois, vous pouvez déjà commencer à avoir le problème avec l'intégration. En fait. Du coup, vous avez déjà un peu ce cas-là. Parce que les projets ils sont mergés à différentes phases, déployés à différents moments. Vous pouvez commencer déjà à tester ces trucs-là en intégration, si c'est possible. Par contre, si vous voulez faire ça, si vous voulez déployer des versions en petites étapes, si vous voulez être consensueux, il faudrait déployer chacune des étapes, tester à chaque fois que ça continue de marcher, et ça coûte très cher en temps de test manuel, et c'est pénible. Donc c'est quelque chose qu'on cherche à faire, mais on ne sait pas vraiment le faire de façon automatique, donc ça nous coûte cher. Donc des fois, on fait des raccourcis, on réfléchit très fort, et puis on se dit que ça va marcher. On fait des dessins, on voit que ça marche, et puis en fait, ça ne marche pas. C'est un peu toujours pareil. Donc pour répondre à ça, réponse classique, vous mettez un bus, hein, vous mettez un bus à MQP par exemple, pour décorréler les couches entre elles.
vous avez le bus RabbitMQ qui vous permet de séparer, décrocher les instances des services sans que le client il soit gêné. Le client ne verra pas le fait que le service est mis à jour, qu'il sera arrêté, qu'il sera redémarré. Donc ça c'est intéressant de plusieurs points de vue, donc du point de vue développement parce que bah, vous pouvez un petit peu simplifier l'architecture d'intégration et en développement. D'intégration au sens intégration du logiciel, parce que vous pouvez comme ça déployer des versions différentes et tester que ça marche. Et puis en déploiement en lui-même, parce que bah, là justement vous n'avez pas ce problème de couper des connexions, vous n'avez pas ça, vous avez un intermédiaire qui découpe en fait. Donc ça c'est pas mal. Et puis la contrainte de la sérialisation que fait un bus AQP, c'est que vous êtes obligé de versionner. Vous êtes déjà un petit peu obligé de répondre à la question de la version N et la version N plus 1. Autre type de cas de figure, ce sont les grosses évolutions. Donc là, ça va être les chantiers qui nécessitent l'intervention sur au moins deux composants. En fait, grosses évolutions, c'est à peu près tout. Hein. Rares sont les features ou les fixes qui portent sur un composant. Ça peut arriver sur le métier, par exemple, on est capable de fixer un tarif, la gestion d'une option de transport sur un seul composant, mais c'est pas souvent le cas. Donc là il y a un problème, c'est qu'on est obligé de livrer les choses indépendamment. Livrer d'abord le service avant la couche cliente. Ce que vous connaissez, hein. Si vous intégrez un web service d'un tiers, il va vous mettre à disposition et après vous l'intégrez. Donc là, c'est pareil en interne, vous livrez les couches service avant les couches clientes. Donc ça a un coût parce qu'évidemment, vous allez être obligé de tricoter le truc, alors faire un plan de mise en prod quelque part et dire. D'accord, il faut que je mette le nouveau service avant, en gardant l'ancien, que je vois que ça continue de marcher, que je ne casse pas l'antenne d'avant. Donc ça fait une opération, ensuite vous mettez à jour votre couche cliente, et puis après vous dépréciez l'ancienne version. Donc ça fait trois mises en prod au lieu de peut-être deux. Mais vous avez géré l'intermédiaire, vous avez géré le fait de mettre en prod. Donc ce problème-là, vous l'avez sans doute en tête via les API, c'est le plus classique, hein. Un tiers vous fournit une API, mais en fait on a le même problème sur le schéma SQL. Et là, c'est beaucoup plus gênant parce que le schéma SQL, ben, c'est, encore une fois, chez nous en tout cas, un single point of failure. Donc on n'a pas la liberté de faire monter le schéma de façon rolling. Vous avez le schéma, vous le mettez à jour, il est mis à jour. La structure, elle a changé, et c'est tout. Donc ça a été le point le plus délicat. On a été obligé ben, de voir les choses différemment. Et à titre d'exemple, on ne fait plus aucun rename de colonne. On ne renomme pas les colonnes. On rajoute une colonne et on supprime l'ancienne. Donc on découpe le rename en des opérations plus atomiques. Donc on va rajouter la colonne, livrer le code qui utilise la colonne, migrer l'ancienne colonne dans la nouvelle colonne, et quand on a mis à jour tout le parc, on enlève la colonne. C'est fastidieux, c'est risqué aussi, mais c'est indispensable si vous voulez faire ça pour un parc de 100 machines. Donc là, après, il y a des tricks à connaître, il y a des trucs du genre... Est-ce que mon ORM il gère bien ça? Est-ce que mes updates SQL, enfin mes opérations SQL, est-ce qu'elles sont bien propres des milieux SQL? Est-ce que ça ne va pas bloquer la table quand on fait ça? Enfin, c'est venu assez compliqué. On a rassemblé ça sur le wiki, on sait faire. Et donc ce truc-là, vous voyez, c'est ce que ça fait partie de ce qu'on va aller regarder dans le cadre de la code review. Donc, quand on voit un mec rajouter une colonne ou renommer une colonne. Donc là, on a la petite sonnette qui s'active et là, on lui demande bah, comment tu vas faire pour mettre en prod. Donc le gars te répond bah, c'est facile, tu déploies le composant comme tu fais d'habitude. Et tu fais non. Tu es sûr, s'il te plaît, allez, c'est bon, ça passe. Voilà, donc c'est un peu contraignant, c'est un peu délicat, mais en fait, on est obligé de le faire. Et la morale de ça, bah, c'est il faut connaître son système, il faut connaître ses frontières, parce que ce dont je vous ai parlé là, c'est les frontières entre composants, quels qu'ils soient, y compris le SQL. Donc il faut connaître ses frontières, savoir comment elles évoluent. Est-ce que mes couches clientes, j'ai la main dessus. Par exemple, le front-end JavaScript, bon, on a à peu près la main dessus, mais si un browser en cache, il restera sur l'ancienne version. Donc, vous ne pouvez pas déprécier l'API tant que vous êtes sûr qu'il n'y a vraiment aucun client qui n'appelle plus. Et ça, c'est vrai sur les applis mobiles natives, particulièrement. Bon, ça, c'est le truc classique, c'est la notion de maintenir les vieilles versions. C'est pas, tout ça, c'est pas original. Okay, sans doute. Donc, on a un petit peu remis en cause ce que c'était chez nous qu'un déploiement unitaire. Donc, je vous ai dit au début, c'était déployer un composant
et de façon standard et ça marche, et c'est unitaire. Alors c'est vrai pour quasiment tous les projets sauf celui qui est le maître de la base SQL, parce qu'on utilise les migrations Rails. Donc je doute que vous connaissiez, mais c'est un DSL qui vous permet de d'exprimer les changements de structure. Plutôt que de faire des alter tables, vous allez dire je change, j'ajoute une colonne dans la table machin. Avec du Ruby, donc c'est assez cool, hein, c'est sympa. Le seul hic, c'est que eh bien là, quelque part, ça casse un peu le principe que je décris là, c'est parce que ce composant en bleu clair, hein, qui fait l'API, qui gère le modèle SQL, bah, il fait à la fois son déploiement et celui de la base SQL. Donc là, c'est le truc qui n'est pas unitaire, c'est que notre base SQL est mise à jour par un autre composant. Et ça casse quand justement on va aller déployer d'abord sur un premier serveur, puis sur un autre, puis sur un autre, puis sur un autre. Parce que ce qui va se passer, c'est que la base SQL sera mise à jour dès le premier déploiement. Ça sera joué à chaque fois, mais en fait, après, ça ne sert plus à rien de jouer. Donc, il faut garder ça en tête, c'est que, justement, notre déploiement n'est pas unitaire pour ça. Donc, ça nous a causé du tort, et c'est ce que je vous dis, c'est que ça casse un peu le principe du découpage qu'on avait en tête. Du coup, on peut se demander, si on fait vraiment du zéro downtime, on a fini par le faire en faisant des efforts et en rajoutant des étapes, parce que, justement, on avait quelques petits... défaut dans la phrase. Donc ça c'est difficile, on sait pas bien faire encore, il y a des trucs qu'on ne sait pas faire. Il y a par exemple le fait que quand vous certaines opérations SQL sont bloquantes sur toute la table, sur toute la base des fois, donc si vous ne faites pas gaffe, vous allez risquer de bloquer toute la requête SQL. Vous allez casser, faire du downtime en fait, vous allez empêcher la table de répondre, enfin la base de répondre, et donc votre site ne répondra plus. Et si par exemple vous créez un index de façon bête et méchante en Postgres, ça ne sera pas concurrent, ça va bloquer la table. Si vous rajoutez une colonne avec une barre par défaut, ça va la rajouter dans toutes les lignes, ça va bloquer la table. Et quand vous avez 2, 3, 10 millions de lignes dans la table, là, ça bloque la table de façon assez longue. Donc là, pareil, on n'est pas encore au point, on commence à peiner des trucs, mais à chaque fois on se voit. Donc en fait, il y a deux petits trucs à faire. D'une, c'est séparer les modifications de schéma SQL du code. Et donc, en fait, faire des mises en prod de ce projet-là avec que la base SQL, avec que les modifications du schéma SQL. Comme ça, on n'a pas la tentation d'utiliser le nouveau schéma dans le code. Donc, on est obligé de le faire en amont, nouveau schéma, voilà, ancien code. Et pour gérer le fait d'avoir un changement du schéma, on est obligé de faire du code jetable pour aller lire l'ancienne colonne si elle y est encore et qu'il n'y a pas de nouvelle, le temps qu'on l'a mis. Je vais reprendre l'exemple du renommage de colonne. Si vous faites un renommage, vous allez rajouter la colonne avec le nouveau nom et peut-être le nouveau type. Vous allez mettre dans votre code, dans votre entité, dans votre ORM, vous allez dire, en fait, mon attribut, c'est cette nouvelle colonne, et si ça y est pas, c'est l'ancienne, avec une transpo. Donc là, vous écrivez du code qui sera là, qui va durer une demi-heure en prod. Et quand vous avez fini de faire la migration en arrière-plan de façon transparente, asynchrone et pas bloquante, vous avez migré toutes les lignes de cette colonne dans la nouvelle, une par une avec la transpo, là vous allez dire ok, je suis bon, j'enlève le code jetable, j'utilise la nouvelle colonne. Et là vous crachez tout. Vous faites du code jetable, c'est ce qu'on a fini par faire. Et ça c'est indispensable. Et ce principe de code jetable, on fait si j'ai la nouvelle version, je la prends, sinon je prends l'ancienne, c'est classique si vous faites des versions d'API. Donc je fais un petit terme précis, c'est pas grave. Bon, je vais vous dire tout ce qu'on a appris, à savoir beaucoup de choses. Le premier truc, c'est qu'on ne fait pas de grands soirs, on ne fait pas de grosses releases. C'est banco, on fait 40 features, non, on ne fait pas ça. On ne peut pas se le permettre. Parce que techniquement, c'est gênant, de deux, c'est risqué, et puis ça perturbe le client. De toute façon, c'est pas intéressant pour le support. Donc, on fait pas de grosses releases, on les fait par petits morceaux, le plus petit possible, en étant raisonnable, bien sûr. Et puis, il y a évidemment un gros besoin de communication en interne pour pas se marcher sur les pieds, pas livrer des fichiers en concurrence. Alors, on a la chance d'être encore une petite équipe, on est une douzaine de développeurs, donc en pratique, on se marche rarement sur les pieds, mais ça peut arriver. L'autre point important, c'est la discipline de groupe. Parce que comme chacun est responsable de livrer ses features, c'est un petit bout d'anarchie, mais en fait, ça ne marche que si chacun est assez grand pour s'autogérer et aussi qu'il respecte les règles.
Donc, la discipline, elle s'applique sur le code stack, sur la qualité de code en général, et sur le fait de faire des choses simples aussi, pour ne pas mettre en péril l'équipe. Il faut aussi penser à ce que font les autres, penser à en est telle feature, est-ce que moi, client, je suis intéressé par ça? Est-ce qu'il faut que je lui pose des questions avant qu'il commence à coder, parce que peut-être il fera n'importe quoi? Est-ce qu'il a pensé à moi si je suis client de lui? Donc c'est un besoin de coordination en interne qui est assez basique, mais sur lequel on est très, très attentif. Et puis il y a la fameuse revue de code, et là, faut pas hésiter à bien réfléchir, à bien se poser des questions, parce que c'est vraiment c'est ce qui vous permet de minimiser le nombre de rollbacks. En fait. C'est quelque chose de très efficace. Et je vais garder cette notion de maîtriser cette frontière parce que ça reste important si vous faites du zero downtime. Donc, savoir quelles sont les bases de données, ça peut servir. Des fois, vous en avez plus d'une. Hein. Savoir où sont ces bases de données, qui on est responsable, qui a le droit de taper dedans. Ne pas aller faire des requêtes SQL si vous n'êtes pas censé en faire. Parce qu'après, en fait, le modèle va changer, mais votre code non. Donc, parce que le gars en question, il ne va pas changer votre base, votre requête SQL. Si vous n'êtes pas censé le taper, ne faites pas ça. Ça paraît idiot, mais ça pose tellement de problèmes ridicules en prod que faites gaffe à ça. Même question sur les API, hein, maîtriser vos API évidemment, même interne, très important. Et il ne faut pas hésiter à faire du code jetable, c'est quelque chose qu'on fait sans se poser de questions parce que ça en vaut la peine. Et puis après, dernier principe, j'en ai pas trop parlé là, mais c'est. Je vous ai dit, on fait des composants spécialisés, des services, hein, tout est classique. Faites autant possible du code stateless, parce que pour le déployer, c'est quand même ce qui est mieux. Le code stateless, pour déployer, ça veut dire que vous pouvez mettre à jour le parc sans vous préoccuper de qui fait quoi, ce que vous êtes en train de traiter un client. Ça va pas sur le marché. Très important ça. Et je crois que ce sera tout. On a peut-être quelques minutes pour des questions. Je crois que oui. Juste quelques mots sur le nombre de serveurs, les bases. Alors des bases SQL, on a une très grosse et une plus petite, c'est plus technique. Des serveurs, c'est une poignée, on va dire. Il y a différentes natures, en fait, ça. Pour chacun des composants, on va dire. Backend, c'est une poignée. Quelques-uns plus, quelques-uns moins, ça dépend ce qu'ils font, bien sûr, mais tu peux ajuster avec un bus, c'est pas grave. Après, les front-end, bah, t'as tous les clients JavaScript, on va dire, je sais pas si je prends tête. En parallèle, je finis, en fait, je sais pas. Si j'avais posé des questions. Nous, on monitore la charge de l'API, puis on voit que ça passe, donc pour l'instant, ça ne gêne pas. Quoi. On fait du monitoring, évidemment. Ne prenez pas quand ça brûle, hein, évidemment. Sauf pour régler des problèmes. Donc faites du monitoring. Oui. C'est une sacrée contrainte, quand même, de ne pas mettre en prod de c'est une règle de discipline. Hein, c'est en fait, si tu alors moi personnellement, je suis partie de l'équipe qui déploie, qui fait monitoring, qui reçoit des SMS quand ça brûle. Étant donné que j'ai une vie de Camille, je crois que ça brûle le week-end. Et le problème de mettre en preuve le vendredi, c'est que les gens ne travaillent pas beaucoup moins bien le vendredi. Hein, c'est pas le problème. Ce qu'il y a, c'est qu'il te manque le petit delta de lucidité le vendredi quand tu prépares une release. T'as un peu l'esprit ailleurs que tout ce qu'on en dise en fait. Et ça, n'importe qui. Hein. Certifié quoi. Et des fois ça marche, hein. Mais limite, quand ça se passe bien vendredi, c'est un coup de bol. Parce qu'il n'y a pas cette préoccupation de se dire est-ce que demain ça continue de marcher. C'est pas tout à fait la même logique. Après, on a eu des périodes où on continue à frauder vendredi. Hein. J'ai fait monter une version de DBN6 DBN7 à vendredi matin et à midi, j'allais faire cette présentation en disant que je vais pas frauder vendredi. Donc ça, c'est à chaque fois responsable. Si tu sais que tu peux rollbacker facilement d'ailleurs, c'est pas grave. Ouais, mais c'est la règle, il ne faut pas la prendre forcément qu'il va être. L'idée, c'est pas mettre en péril et de ne pas monopoliser du temps de repos de personnes qui ont besoin. C'est pas les mêmes. Nous, on ne met pas en prod le vendredi parce qu'on a à minuit des batchs qui passent. Voilà. Donc, on ne sera pas à la nuit, mais chacun. Il faut maîtriser sa plateforme et ça fait partie des contraintes que tu t'imposes de ne pas les prendre. Tu as parlé de la base de données comme point of failure, ouais. Et au niveau du bus, mais ça semble aussi être quand même un composant central pour l'architecture. Ouais. Est-ce que quand il y a des grosses évolutions sur des versions du bus ou des choses comme ça, quand il tombe, c'est quoi les impacts? Comment vous gérez ces choses? La montée de version de Rabbit en lui-même. Ouais, probablement. Je crois
crois qu'on a chacun, en fait. Donc en fait, on n'a pas de réponse a priori. Mais ça, c'est vrai que tous les problèmes. Parce qu'on n'a pas peur d'apprendre, on va tester. Bon, sans doute, c'est voté, hein, ça, je te cache pas. C'est quoi l'inventer une version de la base Postgres, hein. Je sais pas comment il faut faire. Mais... Et ben, c'est pas grave, on va essayer. Puis... Ça reste un objectif, le zero downtime. Hein, si tu veux, on n'est pas non plus sur du temps réel, on ne fait pas l'acquisition de données temps réel, on ne fait pas être très temps réel, on n'est pas sur le temps de réponse de la mise, on a e-commerce. Hein. Ouais, c'est calme, hein, c'est pas non plus. C'est plus pour la beauté du geste qu'on fait, mais. Ouais, c'est ça, non, puis même, c'est, franchement, on a comme livré pas mal de trucs, là, on n'arrive pas à livrer les trucs, et parce qu'on a ces principes-là, on est capable de le faire à tout moment dans la semaine, sans que ça gêne nos clients. Et nos clients ne voient pas, en fait. Ils ne se rendent pas compte d'une évolution qu'on dirait. De temps en temps, on fait une feuille comme dessus, mais c'est vraiment pinel, c'est côté ce qu'on fait. C'est beaucoup de chantiers techniques, par exemple, qui sont assez profonds. On a... Le jour où on a mis plus RabbitMQ, ça s'est fait sans downtime. On a changé la frappe complète. On a mis connexion HTTP entre la partie frontale Rails et la partie métier. Et puis on a effacé du Rabbit, ça s'est fait sans problème. J'ai sorti comme ça des millions de lignes de base SQL dans une autre en faisant les fameux codes jetables. Mais c'est marrant. Ça arrive. Hein. Le soft, t'as mérite de pouvoir maîtriser à peu près. C'est fini.